Bonjour à tous, je me présente, voilà, je m'appelle Emeric, j'ai 17 ans, je suis belge et je fais des études en technicien informatique. Voilà, comme ça, c'est dit. Bon, je vais devoir faire vite parce que j'ai à peu près 5 minutes devant moi. Pour ceux que ça intéresse, le jeu c'est Audio Surf, et la musique de fond c'est Change My Mind de E. Double, si je ne me trompe. Je mettrai un lien vers la musique dans la description. J'ai connu cette chanson grâce à Christo du 6-9 que vous connaissez sûrement. Il nous fait des gameplays commentés, des breaking news, soit son podcast, on va dire, des actus high-tech, etc. Enfin, c'est un bon gars qui soutient énormément ses abonnés, et ça, c'est un plus pour lui. Alors, j'ai décidé, il y a peu de temps, de partager mes connaissances sur le net. J'ai commencé par aller aider les gens dans le besoin, sur les forums et autres. Et après, j'ai décidé d'élargir un petit peu mon champ d'impact, on va dire, et j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube. Je suis demandé à plusieurs reprises, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais m'y tenir? Ça, on ne le saura que plus tard. Bon, parlons de ma chaîne proprement dite. Ma chaîne sera basée sur l'informatique, vous en doutez, je suppose. Je ferai des tutos, des vidéos astuces sur ce que je sais, ce que j'apprends toujours d'ailleurs. Parce que j'en apprends toujours hein, en informatique, c'est un petit peu logique, c'est un monde tellement vaste. En général, mes vidéos seront utiles, plus pour certaines personnes que pour d'autres, hein, ça dépend de la situation évidemment. Je compte aussi sur vous pour m'aider. Eh oui, en fait, je compte sur vous pour me dire dans vos commentaires ce que vous voudriez que je fasse comme tuto. Hein. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'informatique, etc. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas, que vous aimeriez que je vous explique plus profondément? Qu'est-ce qui est assez vague pour vous? Des choses ainsi, quoi, histoire que je fasse vraiment ce que vous désirez au niveau de l'informatique. Alors, je compte faire aussi des vidéos liées au hack. Bon, pas des trucs de ouf non plus, hein. Mais bon, des petites bases qui ne font pas de mal, un peu HTML. Je vous donnerai aussi des petits cours sur la logique, comment attraper une certaine logique au niveau de l'informatique. Je proposerai des liens utiles. Je m'aventurerai peut-être aussi à faire l'un ou l'autre tuto sur Backtrack 5, mais c'est pas sûr. Mais franchement, j'hésite énormément. Ça dépend si ça vous intéresse vraiment. Et alors, j'en parlerai aussi avec une personne que je vais expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo. Je tiens aussi à dire que si quelqu'un a un souci avec son PC, au niveau hardware ou software, qu'importe, hein, donc c'est niveau matériel ou logiciel pour les anglophobes, qu'il n'hésite pas à me le dire par MP. Hein. Si mes études sont technicien en informatique, c'est pas pour rien, j'adore aider les gens. Et je n'hésiterai pas à passer mon Skype ou autre pour vous aider un maximum, donc contactez-moi par MP, je ferai tout pour vous, vous inquiétez pas là-dessus. Et idem si vous avez un problème avec l'un ou l'autre tuto que j'aurais pu faire. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dites-le dans les commentaires. Je passerai du temps pour vous expliquer plus en profondeur. Je voulais dire aussi que je cherche activement quelqu'un pour m'aider pour la chaîne. Quelqu'un d'actif qui serait aussi actif sur cette chaîne. Pour tout vous dire, je suis nul en infographie et en graphisme. Montage vidéo, ça passe encore. Je connais les logiciels adéquats, hein, mais je n'ai jamais eu un talent quelconque lié à l'art, du coup, niveau manipulation de ceci, ça laisse à désirer. Donc, de préférence, quelqu'un qui s'y connaît dans la manipulation graphique, histoire de pouvoir concocter une belle intro pour les vidéos, une belle page de fond pour la chaîne. Quelqu'un qui s'y connaît en informatique, aussi pour pouvoir me donner des idées tuto, mais aussi pour pouvoir faire des tutos. Hein, il ne serait pas juste là en tant que bouche-trou pour m'aider. Il serait vraiment un plus pour cette chaîne, quelqu'un d'extrêmement utile. Et voilà, donc je pense que c'est bon comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Donnez-moi vos idées, vos critiques, tout ce que vous voulez, hein, je suis preneur. Et alors, si vous voulez être mis au courant de mes futures vidéos, abonnez-vous. Alors, je vous laisse contempler le restant du gameplay. Enfin, si on peut appeler ça un gameplay. N'hésitez donc en aucun cas. Allez, bye bye tout le monde!